Hello hello, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui c'est parti pour un Get Ready With Me spécial. On se met dans le mood de Noël. Et avant de commencer, vous voyez que je suis déjà maquillée, donc il y a déjà une partie qui a été faite. Je voulais vous préciser que cette vidéo aujourd'hui est en collaboration avec The Body Shop. J'ai reçu quelques produits de leur nouvelle collection Enchanted by Nature. Donc j'ai eu cette petite brume-ci de paillettes en fait. Donc quand vous appuyez, il y a des paillettes qui sortent. Je pense que je vais l'utiliser plus pour les fêtes de fin d'année. Ensuite j'ai eu un mascara bleu. Du coup j'avais pas de mascara bleu, mais je réfléchissais pas mal à utiliser un mascara bleu. J'ai eu deux fards métallisés liquides, donc un rouge et un doré que j'ai utilisé aujourd'hui sur les yeux. Donc vous voyez un peu le make-up du jour. J'ai fait en fait mon make-up habituel, donc celui que vous voyez tous les jours, mon maquillage nude, mais je l'ai rendu un peu plus festif. Et ensuite bien sûr, je pense qu'ils me connaissent bien, ils savent que je suis une lip junkie, mais il y avait le kit rouge à lèvres liquide mat qui l'a, qui est trop beau. J'ai opté bien sûr pour le plus foncé, le rouge, qui est un peu plus festif, qui est un peu plus dans le thème. Mais vous retrouvez les autres teintes sur mon compte Instagram parce qu'il y a un petit concours. Yes. Quelques mots sur la collection parce que ça a une cause. Vous savez que The Body Shop est une marque très engagée et la collection Enchanted by Nature vise en fait à restaurer et protéger des espaces naturels et pour que les animaux puissent continuer à vivre. Et vous savez que la marque est cruelty free. Et en fait depuis le mois de novembre et durant tout le mois de décembre, tous les achats, que ce soit grands ou petits, en fait il y a une partie qui est reversée en fait à l'organisation World Land Trust pour continuer vers cette, à soutenir cette cause en fait. Et je trouve ça plutôt cool. Du coup quand on fait un petit cadeau The Body Shop, en plus de déjà faire une bonne chose, on fait doublement une bonne chose, je trouve que c'est plutôt sympa. Si vous avez envie de checker un peu plus la collection, n'hésitez pas, il y a le lien juste en barre d'infos et sur mon make-up bien sûr, ce que moi j'ai mis sur mon visage. J'en ai profité pour utiliser un fond de teint The Body Shop que j'avais dans ma collection et qui pourtant était bien, je sais même pas pourquoi je vous en ai pas parlé. En tout cas, le voici aujourd'hui porté. Le reste du make-up est le même que je fais de manière générale. Donc c'est mon make-up nude, revisité spécialement pour les fêtes et pour l'occasion, comme dit, j'avais utilisé les fards liquides métallisé pour accentuer un peu les yeux. D'ailleurs si ça vous fait un peu peur, les fards à paupières liquides métallisés surtout, j'ai une bonne astuce, c'est que je le mets sur la main et j'utilise le doigt pour tapoter pour l'appliquer. Du coup ça le rend assez léger, ça le rend assez subtil comme je l'ai fait aujourd'hui. C'est pas très 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 voyant, je pense que je vais le faire assez voyant la prochaine fois, mais je voulais l'utiliser de cette manière-ci pour vous montrer un peu l'alternative possible. Et bien sûr sur les lèvres j'ai appliqué le rouge à lèvres liquide qui est très agréable. T'as l'impression que t'as rien du tout dessus, c'est juste du top. Et je l'ai dit tout à l'heure aussi, mais le swatch des autres teintes est sur mon compte Instagram et il y a un petit concours. Donc n'hésitez pas à checker le compte Instagram pour voir le concours que je vous ai concocté. Et voilà, donc c'est parti pour la vidéo. The Body Shop m'a lancé un petit défi sur qu'est-ce qui enchante mon Noël. Et comme on est dans les préparatifs, ce qui enchante vraiment mon Noël, c'est l'anticipation de Noël. C'est le fait que ça va être Noël, je vais profiter avec ma famille. Et aujourd'hui, comme je vous ai dit, j'ai pas encore fait d'achat. On va partir faire les achats. J'ai déjà fait mon make-up, vous savez déjà ce qu'il en est. Pour mes cheveux, j'en ai profité pour me faire un afro-puff tressé. Depuis que je sais me tresser les cheveux du bas vers le haut, je le fais tout le temps. Vraiment tout le temps. Mais c'est parti maintenant pour le premier cadeau que je dois absolument faire. Et aussi une idée de tenue, parce que pour Noël, j'ai un truc en tête, mais il faut absolument une tenue pour ça. Alors déjà pour sortir il faut mettre des bijoux, je me suis rendu compte que je ne porte rien du tout et je vais porter ces bijoux-ci en fait de la marque Kurafuji. Voilà et franchement les bijoux sont juste trop beaux. C'est mon grand-père qui veut absolument que je porte des boucles d'oreilles à chaque fois avant de sortir. Du coup on va jamais sauter cette étape-ci. Regardez-moi ces petits, je les mets à mon troisième oreille ici. Et je vais prendre celui-là, c'est celui que je porte à chaque fois. Voilà. Bon, on va quand même créer un ensemble complet, du coup il y a un bracelet qui va avec. Ma montre Daniel Wellington. Ça c'est vraiment ma préférée. Un autre bracelet d'une copine du Brésil. Et un autre bracelet Michael Kors que j'adore porter. Yes. Alors l'idée c'est en fait de trouver un haut qui va aller avec cette jupe-ci. Une jupe End of the Stories que je voulais absolument porter pour Noël. Je sais pas pourquoi, mais c'est la jupe que j'ai envie de porter pour Noël. Regardez-moi ça, elle est trop belle. Je l'adore. Et j'avais déjà fait une photo sur Instagram cet été. Et du coup, on va la transformer version Noël. Et bon, là, pour partir, je vais mettre un mom jeans. Et on va chercher un petit haut pour ça. Donc voilà le look en entier, le look shopping. Assez simple. Et bien sûr, je regarde les pulls en fait. Je
table, un pull blanc, sympa, tranquille. Je pense un pull blanc pour mettre un pull bien cosy avec une jupe d'été en dessous. C'est un peu l'idée que j'avais, mais bon. Mes yeux ont un peu dévié. Du coup, j'ai vu ces pulls ici qui sont trop beaux. Et ben, il faut dire qu'il est vraiment pas mal. Il est vraiment bien coupé en fait, ou bien fait. Dans le sens où ça s'arrête bien là où je veux, parce que j'aime bien parfois ne pas avoir tout sur la main qui déborde. Et le col il est plutôt sympa. Je pensais que c'était un col où c'était un peu dénudé, mais au final non. Bon, on va essayer un des deux là. Puis le numéro 2, il est super cosy, super mimi, sauf que je l'aime pas, ça gratte déjà. Et vous regardez, il y a déjà des trucs qui s'en vont ici. Dommage, pourtant la couleur j'adore. Et l'effet cosy c'est vraiment vraiment mignon. Sauf que là, j'ai rarement eu une couleur bleue comme ça. Ça faisait très longtemps, je crois que j'étais au lycée où j'avais pu porter de bleu comme ça. J'aime beaucoup. Regardez, c'est stylé, non? J'aime beaucoup ce bleu. Avec le rouge comme ça, ça change, ça fait un peu de color block, un peu, vous voyez? Ah, j'aime bien. Ok, partons maintenant. Pour le vrai cadeau, je suis habillée de nouveau, donc mon manteau et tout ça. Je vous laisserai bien sûr toutes les infos en barre d'infos pour que vous puissiez retrouver les liens. Et ça, c'est tout d'une nouvelle collection aussi, donc je pense que je pourrais tout retrouver si jamais vous prenez une des décisions. Regardez-moi ça. Dans les magasins, la déco elle est juste incroyable. J'ai envie de rester des heures ici, de tout acheter, vraiment tout acheter. Enfin terminé, et je suis plutôt contente parce que j'ai deux cadeaux de prêt. J'étais partie pour un cadeau, finalement je reviens avec deux de fait, et ça me rapproche déjà beaucoup plus de mon objectif. Il m'en reste 9 autres cadeaux à faire encore, mais bon, ça avance tout doucement. Donc c'est tout pour moi aujourd'hui, merci beaucoup de m'avoir accompagnée faire à ces premiers petits achats de Noël. Dites-moi où vous en êtes vous, et aussi n'hésitez pas à checker Instagram pour le petit concours qu'on vous a concocté avec The Body Shop. Toutes les informations sont bien sûr aussi dans la barre d'infos pour la campagne Enchanted by Nature. Ça m'a fait super plaisir de réaliser cette vidéo et de vous emmener avec moi, et je suis trop contente d'avoir fini avec deux cadeaux, je me répète, mais bon voilà. Gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye.